grande chance que de pouvoir, évidemment, un jour avoir pour partenaire un cheval qui cumule autant de qualités et avec lequel, surtout, on peut aller au bout de ses intentions, j'allais dire au bout de son rêve. Séoul, je l'ai géré, j'allais dire, dans la lucidité, le contrôle de moi, de mes émotions. Donc en fait, les vraies émotions, je les ai laissées s'exprimer tout de suite après mon second parcours. Un cheval finalement excessivement généreux dans l'effort, qui n'hésitait pas, j'allais dire, à aller à ses limites, probablement même se faire mal pour se dépasser. Il avait beaucoup de sang, il était très, très sensible, très émotif, très réactif, très souple aussi, très félin. Des qualités, un cumul de qualités qui ont fait de ce cheval un être exceptionnel. Il y a cette photo évidemment inoubliable du tour d'honneur à l'issue de la cérémonie de remise des médailles à Séoul. Voilà, où on voit Japlou et puis avec la médaille que je lui avais accrochée à sa bricole. J'avais toujours dit que le jour où je serais champion olympique, j'arrêterais de monter à cheval le lendemain. En vrai dire, je n'ai pas tout à fait respecté cette première intention. Et pourtant, c'était vraiment mon intention. Je suis mort sportivement avec ce titre de champion olympique, même si j'ai eu le bonheur par la suite de connaître encore de très grandes joies, notamment celle d'être champion du monde par équipe, c'était à Stockholm en 90. J'allais dire que ce qui a fini totalement de me convaincre, c'est précisément la mort de Japlou en 91. Et là, ça m'a convaincu de mettre un terme à cette carrière, ce qui a été le cas un an après. Ce sport, c'est évidemment l'addition de deux talents, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait un petit supplément d'âme, il faut qu'il y ait une alchimie particulière qui fasse que la connivence, la fusion entre un cavalier et son cheval conduise aux plus grandes performances. It's not easy.